I know you did this on our podcast, but you once went for lunch with him at Manchester United. I think you were going to have a gentle lunch, and it turned out to be a very competitive afternoon. Oh, exactly. I think we should stay at the training ground. You know, he said, let's go, and having a lunch after training, go to his house. You know, he was few people on the table. I look at it, it was just some salad, plain white chicken, no juice, just water. So we have a food, quickly a lunch, and after that, he said, let's go in the garden and play two-touch. I said, Cristiano, we just finished. So we go playing two-touch, after that, let's go for a swim. After that, let's have a sauna, jacuzzi. I was like, Cristiano, why we didn't stay at the training room? So that's why I said Cristiano deserves everything he got right now. And also, I saw the goal today. You know, I used to call him Christian Dior because of his playboy style and everything. But I will say Christian the Warrior today. So I'm really happy for him, and he deserves. He deserves because he works so hard and he's a machine. And just quickly, you said once he played table tennis with Rio Ferdinand, who beat him, and he was so cross. Exactly. He was determined to beat him. Exactly, and Rio have to tell the truth. Rio beat him in front of everyone, so we scream, and Cristiano was so angry. He sent his cousin by a tennis table. After 2 weeks, he back, and he beat Rio in front of all of us. Yeah. So that's Cristiano Ronaldo. He don't want to lose any game. One of your teammates that everybody wants to talk about, Cristiano Ronaldo, obviously not here yet. What was your first reaction when you heard he was joining Juve? The first time, I said to my friends, it's impossible. But I think, and one, two, three, four times, and then after one day, maybe it's possible. And I'm talking with our manager, with our director, and it's the reality. Juventus, as I said before, growing year by year, and now we need a champion like Cristiano, and we are exciting, and we are ready to work with him. It's unbelievable what a player he is, and he's not for nothing one of the best players in the world. Just how special is he? You know, all the players you play against, what makes him special? What makes him stand out? He's special because he knows always where he has to go and to be. And I think we have him good in our hands. But yeah, in the end, he scored three times, and we lost this game. Bah écoute, c'est juste pas humain, mais il faut le voir entraînement. Hein. Mais c'est pas un hasard. Entraînement, c'est un gars qui chaque ballon, chaque match, chaque corner, il veut marquer, il veut gagner. Et puis quand il marque, il fait la même chose qu'un match. C'est-à-dire qu'il est content, il se met à genoux. Enfin, c'est juste hallucinant. À l'entraînement. Enfin, il y a une particularité dans tout ça, c'est qu'il y a un autre joueur en face qui le pousse aussi. C'est-à-dire cette rivalité qu'il a avec Messi. C'est ça qui le motive encore plus. Ouais, il se sert de ça pour. Certain. Mais il n'a pas besoin de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui le maintient à marquer 55, 60 buts par saison, c'est le fait de se dire cette année, il faut que j'en marque à chaque fois de plus que l'autre. C'est le meilleur joueur du monde. Il fait partie des. C'est normal. Enfin, je veux dire, qu'on veuille attirer Ronaldo, enfin, tous les clubs, de toute façon. Bah, le but de Ronaldo à Gigi. J'ai eu la chance de côtoyer Didi, il m'en a parlé, donc d'avoir aussi son ressenti, en plus du but de légende qu'il a mis, donc c'est un tout, donc ouais, je dirais celui-là. Ouais, j'ai eu pas mal d'idoles, mais après c'est vrai que j'ai eu Cristiano beaucoup, j'aimais beaucoup. Cristiano's not the player he was now, he's 34, but tonight he showed exactly what he is. I think people talk a lot, you know, you have one or two bad games and people start talking. I think Cristiano, he doesn't need to prove anything else. What he's done over the last 10-15 years, I think he showed to everyone that he's one of the best players ever. He doesn't need to prove himself anymore. And once again tonight he was outstanding, scored three goals, gave us this qualification to the final, and we're very happy to have him with us. Bernardo. Jamais me comparer à Cristiano Ronaldo, jamais. Je pense que Cristiano Ronaldo, c'est... pour moi, top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Je ne vais pas faire numéro 1, 2, 3, mais lui, il est là-dedans. Et voilà, ce qu'il a réalisé dans le football actuel pour les joueurs de ma génération, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est
voilà, j'ai déjà de la chance de jouer contre lui en Italie maintenant, qui est revenu en Premier League. C'est que du plus pour le football anglais. Mais pour les restes, comparer les numéros et tout ça, ça sert à rien. Par contre, il va, il a son programme qu'il connaît tout seul. Par cœur, tout seul, avant et après la séance. Après, il va rester, il va faire peut-être pareil, 30 minutes, que sur des abdos, sur la partie haute. Franchement, c'est une machine. On était sur le banc parce qu'on jouait en Champions League. 3 jours après, le coach avait fait tourner. Et on était tous les deux sur le banc, on rentre. Et dans le bus, il était devant. Moi, j'étais au bout avec Pjanic et Blaise. Et il m'écrit, il me dit « Qu'est-ce que tu vas faire là ?» Je rentre me coucher. Il est 23h, je dis « Je vais rentrer chez moi, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et il me dit « Tu te sens pas, on fait une petite heure de salle. » Moi, je lui mets lol, je dis tu t'es sérieux ou quoi? Il me dit j'ai pas transpiré et tout, j'ai besoin de faire une petite séance et tout, tu te sens pas de m'accompagner? Je dis écoute Chris, c'est pas possible, là, laisse-moi tranquille, je vais rentrer chez moi, je me mets devant ma télé. C'est bon, je me suis frappé le déplacement et tout, franchement j'avais pas envie de me faire une séance à 23h. Et je lui dis mais demain, pourquoi tu fais pas un peu plus demain? Il me dit non, j'ai besoin moi chaque jour un petit peu. T'as, il a été, tout le monde s'est habillé, machin, nous on est en civil pour rentrer. Et lui, il est parti, il s'est mis son short, ses baskets, sa musique, salle de sport. Ah, j'ai dit, le mec, il est pas normal.